Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Euclywood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit gameplay que j'avais fait avec Riven, avec le skin Lame du Dragon. J'étais avec Elise, avec la Elise donc d'Halloween qui est Gold 5, nous étions en présence de Silver 3, Silver 2, et en face nous avions du Silver 5, 4 et du Bronze 3 je crois, voilà. Et donc voilà, donc là je vais vous mettre les items à prendre au début, le starter, ensuite le core build et puis le end build, le god build avec Riven. Donc j'espère que ces petites vidéos vous plairont en plus, donc voilà. Donc vous aurez tout ça ici, vous aurez aussi la playlist pour les autres vidéos de League of Legends qui sera dans la description, n'hésitez pas à aller la checker. Voilà, donc nous trouvons sur la nouvelle map de League of Legends, donc la nouvelle faille de l'invocateur qui est vraiment très sympa, donc le nouveau spawn qui a été changé avec l'obélisque qui a été refait, le shop qui a été refait avec cette espèce de bête vraiment très sympathique puisque le vendeur est sur sa queue, c'est vraiment très sympa, le nexus qui a été refait qui est différent en fonction des deux côtés de la map, donc là c'est intéressant, les tours qui ont été changées, je sais pas si elles sont différentes, ici ce sont des mages et ici ce sont plutôt des gardiens, des voilà. Donc voilà, donc nous étions en présence d'une Riven donc, qui était jouée par moi, d'une Elise comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un petit Twisted Fate qui se trouvera au mid contre contre la Leblanc, donc nous avions aussi une Tristana en AD Carry, une Janna en support, et dans l'équipe d'en face ils avaient un Lee Sin dans la jungle, une Irelia au top contre moi. Une Leblanc au mid contre le Twisted Fate comme je l'ai dit tout à l'heure, le Twitch qui était leur ADC et le Brome qui était leur support. Voilà, donc le Nashor et tout ça ont été refaits sur la nouvelle map comme je disais, petite cascade ici pardon qui est vraiment très sympatoche, et je sais pas si le, je crois que c'est l'enclos du dragon qui a été réduit ou alors qui a été décalé, je ne sais pas en fait, pour qu'ils puissent mettre ceci, ou alors c'était le mur qui était plus épais peut-être, je ne me souviens plus exactement. Les cris qui vont arriver, je vais arriver un peu en retard puisque j'étais en train de pull le buff. Donc voilà. Donc on va voir un peu le buff, le bleu qui est vraiment très sympatoche. Voilà. Vraiment très joli le bleu avec une espèce de sphère. Voilà. Donc vraiment très très bien réussi. Ils ont vraiment taffé dessus. Donc voilà. Donc il n'y a toujours pas, c'est la nouvelle map, hein, mais il n'y a toujours pas les items que vous pouvez prendre au début. Donc le Brome qui a quand même pas mal de dégâts, on est dans le celui-ci. Il n'a toujours pas fini son buff. Quand même étrange qu'il a mis autant de temps. Donc voilà, donc elle est arrivée avant moi, la Irelia, donc elle a un tout petit peu d'avance, mais on peut voir elle est à ça, à la moitié de son, enfin, je suis au même endroit qu'elle, mais bon, là elle ne ferme pas, elle n'était pas près des creeps qui tombaient, du coup elle ne prenait pas l'XP. Hop, donc je vais être en avance sur le farm là à partir de ce moment là je passe niveau 2, je tente une petite agression, mais je vois quand même qu'elle a quand même pas mal de creeps qui peut l'aider et qui peut me faire mal. Une Irelia, ça fait quand même pas mal de dégâts au début. Je prends pas le risque puisqu'elle est quand même partie full dégâts dans ses masterises quand j'ai regardé au début de la game. Et donc voilà. Donc je vais vous afficher aussi au début de la game, d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous dire, les masterises à prendre et les runes que j'utilise. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai soufflé. Donc on va garder le focus sur moi au début puisque je vais faire un très bon début de partie, vous verrez. Donc je vais mettre ma caméra. Je vous conseille au début de partir épée longue plus 3 popos pour avoir un peu plus de sustain. Je trouve que c'est un... les 3 popos donnent un peu plus de sustain que le que la lame de Doran, puisque si vous faites stomp en fait, si vous faites que défoncer comme là ici et qu'elle n'a pas en fait le droit de taper avec la lame de Doran, elle ne peut pas régène. Du coup la lame de Doran est un peu inutile au début. Et donc c'est pour ça que je prends pas le risque, je préfère prendre 3 popos et au moins je suis safe. Donc la petite gang de Lee Sin qui va très bien passer, je dash out pour essayer de m'enfuir, mais là je me rends compte qu'il se met quand même très explosé, j'ignite et tout. Donc là elle se met en plein milieu des creeps, elle prend très 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 cher par l'image. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas tenté de faire le double, de faire le fou. Donc là je zone un peu, je flash pour, en pensant qu'elle allait
qu'elle allait louper son E et du coup que je puisse revenir avec mon A pour la finir. Mais ça n'est pas arrivé, son E est quand même parti, donc j'étais un peu deg et j'ai presque failli crever. Je récupère le W pour cette action, donc double kill des débuts. Donc l'avantage, je commence à prendre un petit avantage, vous verrez que ça va partir très très vite. Avec Riven, je vous conseille de jouer plutôt agressif au début de game et de push, histoire que la personne en face perde beaucoup de creep. Donc là je décide de back puisque ça ne sert à rien de push la tour, autant qu'il perde beaucoup de creep sur la tour puisque déjà il en perd pas mal. Donc autant qu'il en perde le plus possible, le plus longtemps possible, histoire qu'il ne puisse jamais me rattraper au niveau du farm puisque déjà je lui mets 12 creep d'avance, plus 2 kills. Ce qui me permet de me prendre un brutaliseur dès le début et une petite, des petites paires de bottes qui n'étaient pas obligatoires. J'aurais pu prendre des popos, mais j'ai préféré prendre une paire de bottes pour revenir un peu plus vite sur la lane vu que j'ai double buff, donc je voulais quand même en profiter un peu plus rapidement. Voilà, on va essayer de gratter quelques secondes, hein. Deux double buffs, c'est toujours intéressant. Donc là j'ai le blue buff qui me rapporte de la CDR et de la mana de régène en plus, mais comme je n'ai pas de mana, c'est surtout pour la CDR qui est intéressant. Et le red buff, ça slow à l'impact d'une auto-attaque et ça fait des dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment très intéressant. Et ça embrasse, un mini embrasse, qui est vraiment super sympa. Donc là, j'ai cru qu'elle allait m'agresser avec tous ses creeps, j'ai préféré, si elle m'avait stun en fait, dans ses creeps, j'aurais pris quand même Bagdad. On voit la Hélice qui a fait un petit kill au bot, donc elle a fait un petit trade assez sympatoche avec le Lee Sin. Donc on reste sur moi pour l'instant, hein. C'est plutôt en mid-game que je vais plutôt changer de focus. Donc voilà, donc là je vais prendre quand même deux niveaux sur elle, là je passe level 6, donc deux niveaux directement, je vais voir un peu, ah d'accord, elle est au début mid de son niveau 4, donc vous voyez je prends quand même une avance puisque je vais déjà la rattraper de son niveau 4. Là je vais la rattraper, là normalement par là, avec ces creeps là, normalement j'en ai fait une 1, du coup j'ai pas pu la rattraper totalement. Je pense pas que ça aurait changé grand chose, donc là évidemment, hop, dès qu'elle s'approche, un petit coup, et puis on se barre avec le pour essayer de prendre le moins de dégâts possible. J'aurais pu être là ici, mais j'avais peur que si Lee Sin venait gank, parce que je ne connaissais pas ses positions, que je ne puisse pas stun et du coup je meurs comme une vie, comme un vieux caca. Parce que même si le move était intéressant au début, il n'était pas ouf. Donc là je vais trap, donc c'est pas très intéressant de regarder. Je fais son de back en fait au cas où elle avait la vision. Voilà. Donc là j'hésitais à te mettre dans un des deux bush. Donc là on a le TF qui a pris quand même Bagdad, la Hélice qui avait tenté un petit gank. Le TF se fait démonter comme une grosse merde. Donc voilà, on va repartir sur ma cam. Et on va regarder ce qui va se passer. Hop, là on a une petite agression de ma part, là qui va prendre quand même très très cher. Et bim, elle se prend l'ultimate qui fait vraiment très très mal. Il faut jamais l'oublier cet ultimate. Et bien le placer en attendant qu'elle ait par exemple là son dash. Elle aurait pu essayer au moment où je lance mon ultimate de dash sur un de mes creeps. Et là du coup l'ultimate ne serait pas passé et je serais mort évidemment parce qu'elle aurait pu redash si elle avait tué un des creeps. Donc j'aurais été bad. Donc elle m'aurait tué et donc voilà. J'ai préféré bien attendre qu'elle utilise un dash. Bon, elle l'a utilisé dès le début comme une conne du coup, c'est sûr. Là j'avais peur, je voulais absolument back. Et puis j'ai réussi à back quand même. J'avais peur que son TP puisse, où il avait pris des doux foyers, je ne savais pas en fait. Donc voilà, je vous déconseille avec la Irelia puisqu'elle a pris elle est déjà mal et elle se prend un cristal de sévère, ce qui ne va pas du tout l'aider, hein. Autant back souvent et à ce moment là tenter des kills, mais le cristal de saphir ça n'a pas aidé. Si je pense, si elle n'avait pas pris de cristal de saphir tout à l'heure dans le trade là il y a quelques secondes en fait, je pense qu'elle aurait pu me tuer avec un autre item, donc c'est vraiment dommage de sa part. Elle aurait pu tenter de me buter et à ce moment là j'aurais été un peu moins confiant puisque c'est quand même un 1v1, j'avais peut-être un peu moins de vie qu'elle, mais quand même c'est chaud qu'elle puisse me buter alors qu'elle a quand même deux niveaux de retard. Là j'aurais été vraiment mad. Donc ça c'est plutôt une erreur de sa part, hein. Donc là Hélice qui prend son double buff normal, elle va tenter un petit gank au top, donc on va repartir sur la... On va prendre la Hélice pour le gank, ça va être intéressant de voir un peu un gank d'une Hélice. Puisque bah perso moi j'ai champion mais je la joue jamais. Donc là le cocon est fail, donc c'est dommage. Une auto-attaque qui passe quand même, donc un petit poke intéressant. La Hélice qui fait semblant de partir, donc elle part, elle est au calme, hein. On va faire la jungle. Donc ce n'est pas ward, c'est juste ward dans l'autre, donc elle n'a pas pu voir ce qui se passait ici puisqu'il y avait une pink, du coup il n'y avait pas de ward puisqu'on l'avait vu. Donc la petite ward des familles, Hélice qui met tout vraiment, qui prend quand même très très cher. Hop, on finit avec l'ultimate et on se barre comme des fleurs. Voilà, le flash de l'Hélice qui n'était pas nécessaire, mais c'était quand même pas mal pour assurer la vie. Et le petit tower dive des familles qui passe, vraiment très sympatoche.
Donc voilà, on va repartir sur ma caméra histoire de voir un peu ce qui va se passer. Bon, je vais back du coup, je vais quand même aller voir, je pense, allez, le twist est fait, voir ce qu'il fait. Donc il a pas mal de vie, il farm surtout là, il n'y a personne sur sa ligne, du coup c'est pas intéressant à regarder. Je vais surtout aller voir la Tristana. Alors la Tristana, là donc elle farm, donc passage de farm, hein. Pas intéressant évidemment, aucune agression de la part. C'est vrai que je préfère à la, je préfère Janna à Braum. Braum c'est un peu plus chiant, mais Janna je trouve c'est un peu mieux, enfin, de ma part, puisque je joue un peu Janna. Mais bon, après c'est mon avis. Donc là elle attend bien pour la fin du creep, c'est parfait. Le passif du E qui fait exploser l'espèce d'une onde. Donc voilà, on va regarder un peu en face. Donc ils sont tous les deux niveau 5, eux 7. Donc voilà, ils ont deux niveaux d'avance, c'est quand même mat pour eux, puisque la Tristana a quand même réussi à prendre 2 kills. Oula, beaucoup de dégâts sur le Braum qui est vraiment pas très très bon, le Braum. Franchement faut le dire, il est pas vraiment très très bon. Mais bon, très drôle. Mais bon voilà. Ce n'est pas forcément de sa faute. Attention, je crois qu'il y a un trade qui est pris au top. Non, j'ai mis que quelques dégâts, mais ce n'est pas suffisant pour la tuer. Donc là, je commence à prendre un peu d'avantage puisqu'elle fait du 0-3. Voilà. Ok, LM, j'ai bientôt passé niveau 9 quand même. Et qu'elle est que niveau 6. Donc voilà. Clairement, moi, mon niveau 6, je l'ai depuis longtemps. Donc elle va commencer à prendre très très cher. Là, j'aurais tellement pu y aller en fait. Hein. Bon, j'avais juste pas mon ultimate. Donc la petite gang de Izin qui aurait pu me faire très très mal. Mais je flash pour éviter un kick qui m'aurait ramené en arrière et qui aurait pu peut-être me tuer. Mais bon, parce que je n'avais pas mon ultimate, du coup ça aurait pu être très mal. Donc là je vois la hélice qui arrive, du coup j'essaye de les attirer en fait, de les aider. Donc là la Irelia qui pense pouvoir nous bait, mais ça n'est pas passé. La hélice qui prend le kill. Je pense qu'on a un peu trop focus la Irelia. On aurait peut-être pu essayer de buter les deux. Moi j'ai quand même pris cher, donc voilà. J'ai pas, on a peut-être fait un mauvais choix, mais au moins on a sécurisé un kill. Faut se dire ça comme ça et puis voilà. On prend quand même 4k gold d'avance à peu près, hein. 4k gold d'avance, c'est plutôt énorme. Donc voilà. On va voir un peu cette Leblanc qui a l'air de pas mal gérer puisqu'elle fait quand même du 2-0, hein. Donc c'est pas dégueu. Le TF qui réussit à faire péter le passif, donc intéressant, elle ne l'a plus. La Golgar qui est utilisée sur le passif, c'est un peu con. Bon, là Leblanc qui fait un kill grâce à sa chaîne, qui fait pas mal de dégâts à l'explosion, c'est intéressant. Donc voilà, l'ultime de TF qui a été claqué, on l'a vu, qui n'est pas forcément très utile. Donc là il se passe pas grand chose dans sur cette map, du coup on va... je vais voir, messagerie, ok d'accord. D'accord. Je regarde un peu, on va enlever le brouillard je pense, et comme ça on pourra voir un peu la map, ce qui va se passer. Donc là on a le Drake qui se repose au KLM, et là on va avoir le Nashor qui va apparaître dans pas longtemps. Je vais enlever le brouillard et je vais essayer de vous le montrer plus tard, si je n'oublie pas de vous le montrer. Faut que j'y pense, donc faut pas que j'oublie de vous le montrer, puisque c'est quand même la nouvelle map, vous avez des images depuis je sais pas combien de temps de cette nouvelle map, mais bon, je préfère tout vous montrer, vous aurez une analyse de la map une fois vraiment sorti avec tous les stades et tout, avec les buffs, donc je vous ferai une présentation de ça, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Donc joli pop qui est venu, hop, on place le maximum d'auto-attaque. Entre les A, essayez de passer des auto-attaques histoire de faire un peu plus de dégâts. Je vous conseille d'aller voir le tuto de A à Z de Skyheart qui vous explique vraiment bien ça. Et ça m'a pas mal aidé de jouer Riven. Pour jouer avec Riven. Riven c'est pas mon main, mais je vais pas dire que je la joue non plus dégueulassement. Je suis pas ouf avec, mais bon. Je ne fais pas des plays comme Faker ou des gens comme ça. Je vais prendre la tour, la Grilia qui aurait peut-être pu défendre sa tour. Bon, quoi qu'elle était low life, donc elle n'aurait pu en fait rien faire du tout. Donc on voit que j'augmente le Q-Spell avec... Oula, j'arrive pas à cliquer sur la hélice. On voit qu'on augmente le Q-Spell, le flash qui a été claqué, la hélice qui prend le kill sur le Braum qui était venu jusqu'ici, un peu comme une fleur. Jusqu'ici là. Si vous regardez sur la minimap à peu près ici dans le brouillard, ici. Voilà. Il était venu un peu s'écarter, mais bon. Donc moi je vais push, hein. Je vais essayer de push un peu cette top lane, mais bon. T'as la Irelia qui se ramène, et du coup je ne pourrai pas push autant que je veux. Donc je me barre au KLM, et puis voilà. Mais il y a qui pense pouvoir peut-être m'avoir avec son petit dash, mais ça ne passe pas. Donc là vous voyez, j'ai carrément pris les lucidités au tout foyer tellement j'étais bien dans ma game. J'ai dit bon, ça sert à rien, voilà, j'ai pas assez de thunes pour acheter le coup près, j'ai pas envie d'économiser, autant prendre un item qui puisse me permettre de me ramener rapidement sur la lane. Là vous allez voir, je l'ai pas du tout venu arriver au moment où elle rentre dans le bush, la voix, oulala, j'ai été surpris quand même, j'ai pas réagi tout de suite. On place l'ignite, on place l'ultime. Je pensais ne pas l'avoir tué, de ne pas pouvoir le tuer, mais l'ultime qui fait okay, augmente la portée de l'auto-attaque, le E, auto-attaque à grande portée, ça passe. Crème, l'ignite qui le finit, dust, dubstep, ignite. Pouf, pouf, pouf.
Voilà, ok LM, ça la tue. Et puis voilà. Donc les tours, ouais, quand elles sont tuées, quand elles sont détruites, elles s'enfoncent dans leur trou. Je crois même qu'à un moment, au bout d'un moment, elles tombent dans le trou. Donc ça c'est plutôt stylé puisqu'on peut voir en fait. On pourrait croire que la faille de l'invocateur c'est en réalité une plateforme. Puisqu'il tombe dans un trou. Je crois que c'est ça. Ou alors c'était avant. Peut-être que avant ça tombait du trou. Maintenant ils ont peut-être préféré juste la rester dans le trou là pour. Peut-être, je sais pas. Voilà. Bon là je pars faire les golems, donc je l'appelle tout le temps comme les noms d'avant. Donc ça c'est les golems, hein. C'est les golems d'avant. Je sais pas du tout comment on va les appeler maintenant. Peut-être les grenouilles de pierre là. Je sais pas. Donc voilà, là on va tenter de tuer cette Irelia qui vient. Ouais, elle vient check le. Ah, j'ai complètement chié ce que je voulais faire, c'est vraiment dommage, on n'a pas réussi à la tuer. Elle est quand même pas mal tanky, ça faut l'avouer, elle a le phage quand même, donc elle part sur Trinité, hein. Phage et brillance, donc là. Voilà. Donc là, on voit la Leblanc qui arrive, du coup, on se taille direct au Stostos, voilà. C'est totalement con ce que je viens de dire. Je me prends la chaîne, là, à partir de ce moment-là, j'étais sûr d'être mort, j'ai essayé de m'en faire de la chaîne. Mais bon, ça a quand même très bonne distance, la hélice qui va quand même crever, qui va tenter de faire un kill. Et Irelia qui se cache dans le boss pour pas qu'on la voit. Et je vais désactiver le brouillard pour qu'on aille voir un peu ce Nashor qui est vraiment très majestueux. Voilà, 10 851 points de vie. Ils sont précis, Chariot. Hein. Donc vraiment très joli baron avec l'œil un peu. Enfin, il est borne, tu vois. Enfin, on peut pas dire qu'il est borne parce qu'il n'a pas qu'un seul œil. Donc ça, c'est le Nashor qui était dans la map, dans la cinématique, dans une des premières cinématiques de League of. Mais il ne l'avait pas changé. Ils ne l'avaient pas changé pour l'ancienne map en fait, ils avaient gardé le vieux Nashor tout moche là, qui est vraiment pas très joli mais bon, qui était quand même intéressant à faire. Donc le Nashor qui est maintenant beaucoup plus majestueux et vraiment ultra joli hein, franchement, on ne peut pas dire le contraire. Donc là on prend presque 6K gold d'avance, donc ça c'est quand même le snowballing de l'infini. Ma revenge avec du 5-1, je crois que je vais finir à peu près un score, je ne sais plus combien en fait. Donc là, je pose une ward avec ce que j'avais pris pour quand même prendre la vision sur le Lee Sin qui aurait pu venir par le top. Même si je crois qu'il était mort, qu'il venait de mourir. Je ne sais pas. Quand même, ils ont réussi à prendre pas mal de kills sur nous. C'est dommage. Hein, bon. Hop, là, le blanc qui se prend la gold card quand même. Bon, trop fort. Hein. Elle utilise quand même son ultime en pensant que j'aurais pu la tuer. C'est vrai, car j'avais quand même mon ultime. Mais bon, j'avais pas l'ignite, donc c'est quand même chaud de la buter quand même. Hein. Ça aurait été chaud puisqu'elle aurait pu quand même m'instant. Voilà, donc la Irelia qui va dépush au top, c'est normal. Je crois même pas qu'ils vont prendre une seule tour de la game. Hein. C'est quand même ouf ce qu'on leur met comme pression. Hop, le Brom qui s'avance un peu trop, on le punit directement. Il se prend tous les stuns de l'univers. Je place mon stun juste à la fin du cocon de Hélice, évidemment pour optimiser le stun. Hein. Donc ça fait à peu près, je sais plus c'est combien. Je vais regarder, c'est 0,75 secondes de stun. La Elise, oula, petite action, je flash pour essayer de récupérer le kill. En fait, je voulais le double buff sur la Leblanc. Malheureusement, je vais mourir sur la tour à côté du Lee Sin. J'aurais peut-être pas crevé si j'avais eu mon. Si le Lee Sin ne m'avait pas kick. Hop, ici, le TF qui va mourir. Il a essayé de se TP pour s'enfuir. Ça n'est pas passé. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc le push, le top qui est push, mais bon ça va des push grâce à la tour. Voilà voilà, donc là on est à 17 minutes de games, la game va bientôt se finir comme vous pouvez le voir en bas. Ils vont sur un à 19,50, donc à peu près 20 minutes de game. Là, le Tristan qui demande de faire le Drake, personne le fait, mais c'est pas vraiment grave puisqu'on a quand même une grosse avance hein, clairement. Donc on ne décide pas. Notre équipe n'a pas décidé de le faire. Moi j'étais parti pour, mais bon, finalement ils vont pas le faire. Voilà les nouvelles vraies, donc des espèces de corbeaux qui sont vraiment sympatoches. Moi j'aime bien. C'est assez sympa. Puis ça change un peu. En fait, tous les buffs ont changé. Nous avons la super grenouille ici. Je crois que c'est mon buff préféré. Celui-là, il est vraiment très marrant. J'aime beaucoup. Il m'a bien fait marrer. Donc moi je défends le mid pour essayer de ne push pas. Le bombe qui réussit à s'enfuir un poil de cul. Bombe qui flash du coup. La hélice qui ne pourra pas tuer ce brome. Le flash dégueulasse, on l'a vu, de cette Leblanc qui était vraiment pas fameux. La gold card qui passe. Moi, j'aurais tenté peut-être une distorsion à. Je pense ici, là. Voilà, ici, là, en fait. Je pense que j'en aurais fait un là. Mais bon, ils n'ont pas fait. Donc là,
On ping pour détruire cette tourelle, évidemment, puisque bon, on en a marre hein, quand même. Hein. On va voir un peu ma vision là. Ça fait longtemps que je peux aller voir. Donc j'ai le double buff au KLM. On prend la tour qui a particule de destruction de la tour. Vraiment très bien fait. On a le stun de la. Oulala, peut-être. Ah, je sais pas s'il va mourir ce pont, je ne me souviens plus. Le Lee Sin qui vient se ramener, il se fait automatiquement stun. Ultime par la Janna, je peux prendre le kill. Je fais du 10-2 maintenant, donc je prends quand même un gros avantage. Voilà, hop, je me. Pour me barrer. Donc quand même le shield, je suis en train de remarquer, mais le shield de la Janna plus mon shield, ça fait quand même un très bon shield. Donc là, je vais faire les brasses très peu intéressant. On va prendre la vision sur la hélice, voir ce qu'elle va faire. Elle est en train de back, mais il y a beaucoup de monde qui peut arriver. Je sais pas si elle va se faire agresser. Elle va se faire agresser. Donc la Irelia qui se prend le cocon, qui pense pouvoir la tuer évidemment. Hein. Donc ça c'est du grid. Enfin, c'est même pas du grid puisqu'elle est morte en fait. Là je fais totalement mon. Mon Q-spell en fait, puisque je ne suis pas passé par-dessus le mur comme je voulais le faire. Du coup, bah, ça fait que la Elise est morte. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc là Irelia, on va voir un peu cette Irelia qui est partie sur Trinité comme je l'avais dit. Ah oui, elle est morte maintenant. Le Lee Sin. Ok, très bien. Ah oui, ils ont surend. Voilà, c'était parce que j'ai eu la caméra dirigée sur Lee Sin. Donc voilà, ils ont surend. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite game vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la Opium Destiny, donc ma chaîne évidemment, avec Texas. Il y a du Minecraft, des moments fun, des trucs comme ça, vraiment très sympa. Et je vous invite à aller là-bas. N'hésitez pas et ciao.